Messieurs, dames, she's born on the 6th of March. 6th of March. On the left, you get the precocious horses. On the right, the late born horses. Bon, le 35, donc, histoire de cœur qu'on va poser tout de suite et maintenant, présentée par le rat de Saint-Voir, c'est-à-dire Nicolas de la Genève. C'est une fille de polyglotte. Hein. On retrouve la toute dernière production de polyglotte. Et Toc Rouge, la mère par Loup Solitaire, qui n'est autre que la sœur de Un Bon Matin. Un gagnant du Piron, l'histoire, c'est la famille de Hard Rock, sortie de surcours un jour ou l'autre. Et aussi, c'est dans une branche qui est arrivée chez Jacques Cyprès, de Bloody Mary. On en parlait tout à l'heure, de Bloody Mary. On peut marcher ? On peut marcher, avant qu'il s'énerve, marchons. En avant, marche, et droit. Et donc, Polyglotte, la mère par Loup Solitaire. Et la mère, Toc Rouge, n'a certes pas couru, mais a déjà produit un vainqueur. Copain de classe à un héritier qui a gagné deux courses en Angleterre, Wimbledon et Chepstow. Après s'être imposé dans le prix Roger de Cyprès, en plat. Voici donc deux produits d'étonnement de référence en France. Dans le ring 1, Polyglotte, dans le ring B, Capgarde. Voilà, donc c'est intéressant de constater la façon, les méthodes employées par le jury, en l'occurrence Anthony Baudouin qui a pris en main la pouliche pour laquelle est bien face à lui pour mieux juger de ses aplombs, savoir si elle est, comme disent les Anglais, correct. Donc on a déjà fait notre tour au trot avec ce produit de Une Époque. C'est quand même toujours un plaisir de voir une gagnante de groupe à Auteuil sur ici, sur ce ring de Une Époque. Alzane Brûlé, merci beaucoup, merci à vous. Bien belle, bien belle, bien belle cette fille d'Une Époque. A-t-on des folles en attente? Oui. Je rappelle que dans la deuxième section, le 48 est absent, mais par contre le 47 est attendu. Sur le 47. Le 49. Bon, on va prendre le 49.